Les temps changent. Figurez-vous qu'il y a quelques années, les motos préférées des motards étaient souvent les sportives ou les motos ultra puissantes. Mais nous venons de le voir, ça a bien changé. Notre sondage pour élire la nouveauté 2017 a mis en avant des motos plutôt avec un look très affirmé, comme la Husqvarna Vidpilen qui a décroché la première place et cette nouvelle Triumph Bonneville Bobber qui s'est placée en seconde position. Alors voilà, nous sommes en Espagne, pas vraiment sous le soleil pour l'essai de cette nouveauté particulièrement stratégique pour le constructeur anglais. Alors si la Bonneville Bobber s'est placée en seconde position sur notre sondage pour élire la nouveauté de l'année 2017, il faut aussi remettre en considération la réalité du marché. Et c'est sûr qu'on ne verra pas des Bonneville Bobber à tous les coins de rue. Les premières places du top des ventes du marché français seront bien sûr trustées toujours par des roadsters issus des constructeurs généralistes et de moyennes cylindrées. Néanmoins, voilà une bien belle nouvelle moto. Alors ça, assurément, vous voyez, la première qualité de cette nouvelle Bonneville Bobber, c'est bien sûr son look. Elle est très belle, elle est très bien construite, elle est rigoureusement finie. Il s'agit en fait d'une base de moteur de Bonneville T120, hein, c'est un 1200 cm3, mais dans un look de custom à l'européenne. Et ça, déjà, c'est très, très réussi et ça met un beau pavé dans la mare du custom. Et Harley Davidson va scruter avec attention l'impact de cette nouvelle Bonneville Bobber sur le marché. Ensuite, il y a une ergonomie très particulière, jugée plus tôt. Voilà, c'est une moto assez basse de selle, voilà, mais on a quand même une position de conduite très sur l'avant au niveau des commandes, de pied, mais surtout du guidon. Et figurez-vous que la selle est réglable. La selle est réglable en profondeur, sur deux positions. Et il fallait bien ça pour ne pas avoir trop de tension sur la moto. Et en fait, il ne faut pas être trop petit, sous 1m70 ou 1m65 plutôt. Ça va être assez compliqué, on va risque d'avoir d'être un peu limite au niveau de la longueur des bras ou de la longueur des jambes sur cette moto. Mais sinon, pour le reste, l'ergonomie est plutôt agréable et c'est plutôt une bonne surprise. Et l'autre très bonne surprise finalement, c'est le comportement de l'amortisseur, là, le comportement, figurez-vous, de ce châssis. Parce que ce mono-amortisseur monté juste sur une petite biellette de renvoi, ben en fait, finalement, il travaille bien mieux que ce que l'on pouvait imaginer. Il y a bien plus de confort que prévu. Et puis, ce moteur, il est vraiment très agréable. C'est le moteur de la Bonneville 1200. Donc, c'est un moteur refroidi par eau. Hein. Il y a des ailettes, mais il y a toujours un radiateur. Donc, en fait, il cache bien son jeu. Hein. C'est un moteur refroidi par eau. Il développe pas mal de couples. Il est assez souple. Et donc il est très agréable, il n'y a pas de vibration et on a beaucoup de coffres à mi-régime, de très bonnes reprises, donc ça c'est très agréable. Alors c'est vrai qu'il y a déjà deux séries, une très bonne sonorité, mais on aurait aimé avoir une sonorité encore plus typée. Il faudra passer par la case accessoires bien sûr. Et puis il tire un petit peu long, ce qui fait que c'est assez difficile de cruiser
en 6e à 80-90. Non, il faut atteindre des vitesses supérieures pour pouvoir mettre les deux derniers rapports. Donc sur les petites routes, on tricote un petit peu du pied gauche, mais fort heureusement, la boîte de vitesse avec son sélecteur au débattement très court est très très bien faite. Donc ça, c'est super sympa. Et puis l'autre chose aussi, c'est la rigueur du comportement. Alors là, on est vraiment sur une Triumph hein, finalement. Hein. C'est une moto très moderne, très rigide, hein, rigide, très homogène de comportement, un excellent freinage, un guidage vraiment très bien étudié, et ce grâce à la participation de Avon qui a développé un pneumatique spécifique pour cette moto, ce qui fait qu'on a plutôt une bonne maniabilité, même mieux finalement que sur la Bonneville 1200, et puis un comportement très rigoureux, même à haute vitesse, une très bonne tenue de cap. C'est vraiment pas mal de ce côté-là. Au niveau du prix, ce sera 12 900 €, un peu plus même pour cette version bicolore. Ce qu'on va pouvoir regretter tout d'abord, c'est l'absence de selle passager. Cette moto est strictement monoplace. Ah oui, alors ça, c'est un choix osé et même audacieux de la part de Triumph. Elle est homologuée comme telle, il n'y aura jamais d'assise passager et la carte grise sera monoplace. Et puis, il y a une chaîne. Alors, une chaîne normale, hein, comme sur la Bonneville 1200. Mais peut-être que sur cette moto, on aurait aimé que Triumph adapte peut-être une courroie, simplement pour ne pas avoir à faire d'entretien, même si côté look, hein, il n'y a pas de problème, la chaîne... ça le faisait bien. Voilà, si vous voulez plus de renseignements sur cette moto, vous allez sur motostation.com, bien sûr, et puis sachez qu'elle arrive en France le 16 février 2017.